Tout d'abord, salut tout le monde, je salue tous les présents. Je vous prie de une minute de silence en mémoire des martyrs de la jeunesse sportive de Paris. Voilà, merci. Voilà, tout d'abord, avec la permission de tous les anciens qui sont présents, je tenais à prendre la parole, vu que cette initiative, on l'a prise collégialement, entre anciens. On voulait apporter notre soutien et notre reconnaissance à notre cher club. Donc, on a tenu à inviter pas mal d'anciens parce que le renouveau de la GSK il va passer pertinemment grâce à ses anciens. Son ancien dirigeant, ancien footballeur, ancien entraîneur, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à l'évolution de ce grand club. Donc au début on a contacté une cinquantaine d'anciens, on a eu leur accord, l'accord de principe, et malheureusement aujourd'hui, là, on se retrouve parmi une dizaine. Donc, je suis un peu déçu par rapport à ça et tout le monde qui est présent est déçu. Donc, je remercie les présents. Cela prouve encore une fois leur intégrité, leur courage et leur amour, le vrai amour à ce club. Donc, ils ont répondu favorablement à cette invitation et cette initiative. Donc, cela prouve aussi le mal de la GSK. Donc, rien que cette initiative, elle nous donne ce malheur que vit notre cher club. Le club prestigieux d'Algérie, le club qui a honoré le pays des décennies et des décennies, le club qui a enfanté de grands internationaux, de grands dirigeants, qui ont donné leur temps, leur argent, leur âme pour ce club. Moi personnellement, et je sais que parmi les anciens qui sont là, ce club, ce maillot-là, on l'a endossé. Donc on a endossé l'histoire. Et faire honneur à ces anciens, nos ancêtres, c'est les anciens, nos aînés qui nous ont initié cet amour et cet amour pour ce club la GSK. Donc, encore une fois, nous, on ne va pas baisser les bras, donc au contraire, ça va nous rendre encore plus forts et plus grands parce que la GSK va rester très forte et va très grande par ses enfants. La prochaine fois, il faut qu'il y ait d'autres initiatives. C'est vraiment, on a du respect à ce grand club. Donc, sincèrement, on est porteur de solutions, d'initiatives. Pour ce club. Donc, cette fois-ci, du moment qu'il n'y a pas la majorité d'anciens ne sont pas là, donc on va se limiter à ça. Et on vous donnera rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, avec beaucoup d'anciens et avec beaucoup de variété dans les alternatives. Donc, je donne la parole à mes collègues Hakim Kamal. Bon, je suis là, je suis là, je suis là. Mais ce qui on a décidé de. C'est pas une réunion, mais quand on a fait une réunion, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait le canal de l'accord. Ce qui la plupart du Sénégal. Mais bon, c'est donc là quand même à des faits, à beaucoup de choses. Parce que quand même, il y a des joueurs de Nazar, ça fait longtemps, tout ça. Et ça tombe à pic parce que c'est le jour de l'anniversaire de la GSK. C'est le 76e anniversaire.
que باش نتشفير لها دلاجي اسكار ما جامي فيتي سا. Alors c'est une occasion, nous avons les anciens dirigeants, les anciens joueurs, c'est une prise de contact pour moi. Mais avec les dîners d'Arzat, Inch'Allah, les autres rencontres, Inch'Allah, il y a beaucoup plus d'anciens. Nous avons mais il faut que chaque joueur prenne ses responsabilités. Parce que ce club aujourd'hui, mais il a roi le Warrawis, l'Israël. L'initiative est parce que nous voyons les supporters comme la JSK, mais elle est la Rawis. Mais elle est la Rawis, mais elle est la Rawis. C'est ce que nous avons dit, le club est Marissim, qui a beaucoup de choses. Il a cassé la monnaie. On est contre personne, on est des rassembleurs. Nous sommes arrivés ici pour déjà fêter l'anniversaire du club, en plus de parler. Le problème est que c'est le club là parce que la Rawis est un féritage historique. Il y a beaucoup de problèmes avec le club là. Il y a deux clans, soit des supporters, soit des dirigeants. Nous connaissons les SSGI, nous connaissons notre place des joueurs. On va essayer de les rassembler. Sur la JS Kemzi, un seul public, un seul comité. Alors actuellement, notre public il est divisé. Nous sommes pour trouver des solutions. On va se mettre un débat. Chaque joueur a défini son idée. On va trouver la solution. Mais malheureusement, parce que du Sénéra, je ne sais pas pourquoi, bon, j'espère que la prochaine fois, à Darren Ferrari, parce que c'est très important. Parce que c'est les supporters qui carnent les anciens, j'aime la JSK, abandonnés, etc. etc. Donc, on y va, c'est une brevet contre la JSK, mais elle reste. J'espère que la prochaine, Inch'Allah, il y aura beaucoup de joueurs à la DSN, parce que c'est qui, machin qui s'en dit, c'est où l'un, les dirigeants à Darren, les dirigeants qui là. C'est la JSK. La JSK, c'est maintenant. Si on le veut ou pas, on sait faire d'herbe dans le domaine sportif, football. Alors, c'est notre obligé. Ce n'est le minimum. Ce n'est pas beaucoup. C'est le minimum, c'est de parler, de trouver des solutions. Trouver des solutions, car tu vois la JSK. C'est pas un hako. Un hako fait les années à Dan, John Bojat, avant, etc. Il n'y a qu'une seule famille qui défend les couleurs, qui a fait un drapeau algérien haut, les moments difficiles, le terrorisme, etc. C'était la JSK, qui se fait un tamour. Alors, c'est qui, on voit que depuis le professionnalisme, on a gagné deux Coupes d'Algérie, ça fait 13 ans, deux fois finaliste. La JSK, c'est un grand club qui joue chaque année des titres. Malheureusement, le problème à la JSK, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des années. Maintenant, on va le faire, ça fait 15 ans que le club vit une vie quand même très difficile. Alors, c'est le moment que, tous les anciens dirigeants, tous les anciens joueurs, staff médical, il a pas de l'ouakt, un daran mli. Parce que le manque de la JSK est vain finalement. Parce que Meloulèche nous fait monter les anciens joueurs, Meloulèche et Fouskfous, le club de Guinée. J'espère que Inch'Allah, mais Gouadar, il va souffrir. Alors je lance un appel à tous les supporters de rester derrière le club. C'est très très important. La JSK, nous prenons le Rohab, les dirigeants de Sorohon seront digérés. Mais le club, il restera à vie. C'est éternel. Alors je vais lancer un appel. Il faut être derrière ce club et trouver des solutions. Parce que des souffrants, parce que JSK actuellement, c'est Zach 40, il a passé des souffrants, Inch'Allah. Voilà, je passe la parole à Cheikh Kamel et merci. Cette initiative nous a permis d'abord de nous rassembler. On aurait aimé être plus nombreux. Malheureusement, il y a eu trop d'absents. Et ces absents, il y en a qui me disent que je suis là. On ne peut pas les blâmer. Mais madame, il y a Inch'Allah, il faut quand même un nombre important de façon à ce qu'on sortira avec une feuille de route et essayer par tous les moyens de créer une association d'anciens joueurs qui représentera dignement ce grand club. À l'avenir, Inch'Allah, on essaiera de
c'est on veut de ramener un maximum d'anciens joueurs. Et avec ça, on peut quand même, chacun donnera un avis personnel et on sortira avec des points importants à l'avenir, parce que notre cher club, il est en train de passer des moments difficiles. D'après la presse écrite et la presse parlée, Walihada, si on veut, l'initiative a été quand même mise au point. Aujourd'hui, on se retrouve, alhamdoulilah, déjà, le fait de se retrouver, ça fait quand même, il y a des gens qu'on n'a pas vus pendant quand même une décennie. Aujourd'hui, ça nous a permis de nous retrouver. Et bien sûr, de faire appel à d'autres éléments qui peuvent quand même renforcer ce groupe et pourquoi pas intégrer le CSA, surtout les anciens terrains, Madame Bina, pour quand même essayer de donner un autre élan à notre cher club. Inch'Allah, Rabbi, yitma hadal wassalam alaykum. Merci. Je termine. On peut continuer. Donc avant de donner la parole à M. Saheb, le fils d'un des membres fondateurs, c'est notre liste, elle est composée aussi de fils d'anciens dirigeants qui nous ont quittés. Donc on est tenu à les contacter. Cela symbolise la valeur de ce club, de son grand club. Et pour donner l'exemple, et répondre à beaucoup de détracteurs qui pensent que nous, on pense à l'ancienne. Non, nous on a une vision, on est à la page. Alors, on sait comment se comportent les grands clubs du monde. Et je pense que la JSK, historiquement, elle fait partie de ces grands clubs. Donc, et les valeurs de grands clubs, c'est quoi? Comme le Real Madrid, le Liverpool, Manchester United et j'en passe. C'est d'abord les valeurs, l'intégrité, l'identité. Donc cela, ces critères-là ne bougent pas. Donc c'est pour ça, nous, on demande à ce que les anciens s'entourent de leur club, et c'est ça la valeur, c'est la richesse du club. Et à partir de là, on peut envisager l'avenir sereinement et avec les nouvelles méthodes de technologie, d'évolution, de progrès, tout ça. Et la JSK, elle a tout le potentiel, que ce soit humain ou matériel, pour réaliser tout ça. Donc, on donne rendez-vous encore une fois la prochaine fois, parce qu'on ne baisse pas les bras et on ne va jamais baisser les bras jusqu'à la mort. Donc, pour terminer, je donnerai la parole à M. Saheb qui nous donnera plus de belles choses de notre cher club. Azoufi Lawen, merci beaucoup pour cette honorable invitation. Déjà, je devais venir un peu plus tard, j'étais au Canada voir mes enfants qui sont des grands supporters de la JSK. Et je suis rentré plus tôt pour eux. Et ça m'a permis de me rappeler hier soir. Je vous remercie vivement, profondément, pour votre nom dans tous les membres de la JSK et toute la famille de la JSK d'être aujourd'hui parmi vous. Est-ce qu'on a un parti ou non? Est-ce qu'on a un point limité pour parler ou non? Non, bien. Très bien. Donc, vous avez la dernière. Alors, il y avait un politicien français qui disait: quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent dans une situation? Moi, je dirais mieux que lui. Avec toute la modestie, je dirais devant les conflits, je dirais la 4. Le dernier point, je ne dirais pas parce que c'est une. Je ne voudrais pas dire des bêtises. Donc, il y a le sage. Il y a l'intelligent et le malicieux. Okay. Alors le sage, il évite les problèmes. L'intelligent, il cherche des solutions aux problèmes. Le malicieux, il est là pour créer des problèmes. Donc, pour entrevoir une... Alors pour aller faire une entreprise de grande envergure, en instant du Real de Madrid que j'aime bien et d'autres clubs européens, on peut y arriver. Donc j'ai vu ce qui se passe au Canada, on peut tout faire, beaucoup de choses. Il faut œuvrer avec un esprit sage, professionnel et sportif. Les luttes intestines, je pense qu'il faudrait plus en parler. Exactement. Ou on va aller de l'avant ou non. C'est vrai que certes aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de présents. Bah, ils ont leur raison, probablement. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va semer, on va germer aujourd'hui là, qui donnera ses fruits plus tard. J'espère que ce sera
présent. De très beaux fruits, de très bons fruits, succulents que des épis. Exact. Donc, voilà ce qu'on souhaite, que la JSK retrouve son blason antérieur. D'autant plus que là, je vais rentrer dans l'historique. Il faudrait savoir que la JSK, avant que la JSK soit née, il y avait précédemment le Racing Club de Tizi Ouzou en 1926. Si je me trompe, il y a des gens qui peuvent intervenir, qui rentrent en apprend tous les jours. Qui, malheureusement, c'est un club qui restait qu'une licence de 2-3 ans. Et parmi ces joueurs, il y avait deux hommes, comme on parle là, les frères Sbahi. Amdal al-Hajj et Saad al-Hajj, qui étaient les oncles qui étaient donc footballeurs. Mon père l'avait à l'époque, il avait 3 ans, donc il est né en 24, dont j'ai mis un tricot en son nom. Donc il était déjà prédisposé à ça. En 43, il y avait le feu Sidi Saïd Hanafi, qui était avocat, un brillant avocat, qui malheureusement était décédé, je crois, en 44, et qui commençait à œuvrer pour qu'il y ait une création de notre club musulman, si vous voulez, autochtone. Parce qu'à l'époque, le colonialisme nous indexait d'indigènes. Donc, malheureusement, heureusement, alhamdoulilah, on a notre indépendance. Et ensuite, il y avait, en 45, il devait parler de l'ASK. Et la JSK, la première réunion qui s'est tenue en 29 juillet 46, c'est en plein ramadan, et ils ont pris la décision, c'était les membres fondateurs qui sont de 8, vous les connaissez tous, et tout à l'heure à la fin, si vous permettez, je vais faire un passage de feu, le dernier des géants de la JSK, Ali Ben Slama, Rahmoud. Donc il y avait Ali Ben Slama, il y avait Ali Stambouli, il y avait Cheikh Saïd Serdewi, Mouhamed Saïd Amirouche, Mouhamed Hamouche, Ousdiq et Mohamed Meradini et Montpellier. Donc ils ont pris une décision de créer un club autochtone suite à un incident qui s'est produit au stade. Il y avait un de leurs camarades qui courait, qui faisait un petit tour au stade et un dirigeant du fameux OTO, qui était un club beaucoup plus des fonctionnaires de police française. Il y a une espèce de raton qui quitte le terrain. Donc, ils sont, donc, par fierté, ils ont créé la JSK. Donc, comme la plupart des gens à l'époque étaient de la ville de Tizi Ouzou, pensons 1500, nous sommes sahab de Tizi Ouzou, il est né à Tizi, à la haute ville, mais les sahab, nous sommes venus de Netvouhin. Netvouhin, c'est du côté de Kouna, près d'avant, on est parti à Bohin. Donc, c'était juste pour l'historique, il n'y a aucune 1500, Tizi Ouzou, la capitale. Donc, ils ont pris l'initiative. Au départ, c'était Racing Club de Tizi Ouzou, ils ont dit JSK. Pourquoi JSK? Parce que la JSK va représenter toute la Kabylie. J'ai acheté Tizi Ouzou. Le Kabylie, toute la telle date de Kabylie, Hamil Vigéria, Hamil Alboué, etc. La preuve, quand vous êtes là, quand la JSK jouait le final de la Coupe d'Afrique, tout ça était plein. Ouais. C'était pas uniquement les gens de Tizi Ouzou, c'était les gens de Vigéria, de Boué qui venaient. De partout, oui, bien sûr. De partout, il y a des blanches. Donc, ils ont pris la décision de créer le club de la JS Kabylie. Par la suite, bon, moi, si je parlais un peu de Montpellier, il avait joué un an en tant que senior, puis il a quitté. Il a quitté parce que, comme il a eu la. Bon, c'est un brillant. Bien que je suis dermatologue, je dirais que je suis petit par rapport à ses capacités intellectuelles, parce qu'il maîtrisait les deux langues. Il a fait des études à Alger, à la Médersa d'Alger, donc il était obligé de quitter Tizi pour jouer dans un club algérois qu'on appelle le RUA. C'est pas ce que vous connaissez. Oui, donc, on parler, oui. Le Racing Universitaire Algérois, qui jouait avec le Gadia de Sport d'Alger, avec beaucoup de clubs algérois. Et par la suite, bon, la JSK, donc, ils ont continué. Il y avait Irakli, Abdouche, et que j'aurais aimé voir les enfants parmi nous. Ils étaient invités, bon, malheureusement. Oui, je sais, j'ai compris. Bon, si vous permettez, je parlerai en leur nom. Bien donc, sûr, quelque bien part, sûr. Je fais un petit bien peu le porte-drapeau de l'ensemble des fondateurs de la JSK. Et par la suite, la JSK a connu, donc, comme tous les clubs algériens, à l'appel du FLN, il fallait bien sûr quitter les structures, que ce soit les étudiants, que ce soit tout le monde, les médecins. Donc, il fallait quand même combattre le joug colonial pour avoir l'indépendance. La JSK a repris en 62 avec Tamin, Mahdi Ben Rafa et Wahhabi, etc. Et ensuite, il y avait cette accession qui était gagnée en
69, grâce à un but, justement, j'ai également en mémoire également à nos anciens joueurs, notamment le dernier Koufi, Asri Koufela Ahmour, Mraïs Asri Mraïs, c'est votre ami de Madania, Awesla, également, parce que vous étiez ensemble, je crois, du SPS, le PCG, voilà, Madania, et qui a entendu l'accession en 69, hop, deux ans d'accession d'affiliés en 70. Et après, donc, elle a eu la GSK, elle a eu le premier titre en 73, champion d'Algérie. Et c'est le seul club qui, avec tous les gens qui sont venus, les Mourbel, les Tawesh, les Amarouche, les Abtsem, etc. Il y a eu des présidents qui ont été quand même des présidents qui étaient quand même qui avaient leur cachet, leur présence. Leur présence, Feu Belkacé. Sans compter l'énigmatique Mahjer Ahmesh, Abdelkader Khalaf, etc. Donc, on leur doit beaucoup de respect, beaucoup de. Si vous voulez, d'affection et de reconnaissance à tout le monde qui a œuvré, et sont dans cette optique, j'espère que la GSK, Inch'Allah, SK, assurera la MZIK. لا جلس كنا نصح صديق ولاش نبدا داخل يا خميس مشاكل لاقي اون بو لي كريير سي فري كو الى كونت يا داخل اخر كوني من صحاب ينس شاك اي لان بوان دو فيو لي بوان دو فيو اي فو با كو سوا دي بوان دو فيو دو كونفلي دي بالي دي سكوبل دي ريفاليتي انتستين فو كو سوا يقول كي يوم نادي وي هو لي صديق انا بوان دو فيو مي بو الي لو كونستروير انصومبل. C'est-à-dire que ce soit par une idée, ce soit par de l'argent, ce soit par des dons, ce soit par une présence, par une formation. Peu importe le chemin. Il faut travailler. Voilà. Travailler. Mais aller au but. Travailler ensemble. Moi, je pense qu'il faudrait, par exemple, je ne sais pas, c'est un point de vue personnel, je ne donne pas d'avis, de conseils, mais je donne des avis. Même les directions d'un club, par exemple footballistique, on peut créer, des mandats. Des mandats, il y a un groupe technique, financier, éducatif, administratif, un groupe de personnes qui vont gérer la GSK au bout de 3 ans. Et qui vont gérer. Et là, au bout de 3 ans, ils ont bien géré, laissez à notre équipe le travail, pour qu'il n'y ait pas sur les semaines d'arrivée. Moi, je pense que c'est mieux. Exactement. Et en plus, également, ce que je souhaite également au fond de moi, c'est que, Inch'Allah, il y aura même un abonnement. Les gens vont s'abonner, il y aura des abonnements, même certains supporters, on peut leur faire des cartes. Imaginez-moi, Stade Magui qui a pris combien d'argent, qui a bouffé combien de bouffe. Est-ce qu'on va jouer contre l'USMA pour le titre, un exemple. Un Arsène, ça s'est passé pour l'équipe nationale contre le Cameroun. Un Arsène, on va dire un Stade. Il faut que le supporter soit il ait une valeur intrinsèque, la hadith. Même si je dois faire des cas d'abonnement, je vais sélectionner. Je ne donne pas de carte. Ou bien cibler les perturbateurs. C'est comme ça qu'on peut avancer. Plus la jeunesse, donc pour dépister des jeunes talents, donc ils sont là les anciens. Dans des quartiers, il y a des quartiers des gens qui jouent, etc. On peut aller dire, par exemple, M. Abdelzar, assister, voir des gens qui jouent, Wagila, etc. Vous les récupérez. Je ne sais pas. Donc, maintenant, s'il y a des anecdotes, je peux vous raconter une anecdote de mon père Lahmou, si vous permettez. Il me disait, JSK, qu'est-ce qu'il en dit, je vous offre un joli sac de camos, JSK, ou bien je suis capi. Je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, ils ont joué contre une équipe de Rovigo, du côté de Djot. Et ils sont partis avec à l'époque, ils n'avaient pas de transporteur. Donc, ils avaient un petit camionnet avec les chaises métalliques. Ils arrivent au niveau du stade, il y aura 3 km. Le bus, c'est le transporteur, il est en panne. Il est en panne, mais qu'elle retombe. Au lieu qu'ils annulent le match, et par pénalité, ils ont mis leur tenue, ils ont gagné le match. Ils gazaient. Le deuxième point, premier point. Deuxième point, j'ai mis 24 dagués. Pourquoi j'ai mis 24? Comme à l'instar des autres fondateurs qui étaient aussi jeunes. Alors mon patron, il est né en 24. Alors vous mettez 24
46 moins 24, ça fait combien? Ça fait 22 ans. La plupart des fondateurs à l'époque, Ali Ben Salama, Stambouli, etc., ils étaient jeunes, subhanallah. Mais ils avaient des qualités qu'on ne pourra jamais avoir, le connaisseur. Quoi qu'on fasse. CDM, Menas al-Qa'ayat, jamais en loin. Parce qu'ils étaient dans ils ont vécu une situation que nous ne vivions pas, le connaisseur. Mais ils ont pu quand même, à 22 ans, 23 ans, ils ont pu créer, malgré l'interdiction du jeu colonial, s'imposer. JSK, Matelatinel Mouloudia, JSK. Non, Mouloudia a donné juste où il fallait acheter les maillots. La JSK arboré l'été le titre des couleurs jaune et vert, avec les Hilal, les scouts des oiseaux. Alors on dit, à l'époque quand il y avait le nationalisme, ils ont opté pour le rouge et vert. Vert et rouge. Mais les Mouloudia, nationalisme, vous avez trouvé, c'est tout. Et moi je salue leur mémoire. Beaucoup de respect à ceux qui ont donc participé à la grande JSK, à ceux qui l'ont fait grandir. Et je dirais, mot de la fin, et je dirais également beaucoup de courage à ceux qui vont reprendre le flambeau. Là, et Ben Salama et consort, donc on s'inspire d'eux, et ça nous donne cette adrénaline, cette énergie de continuer. Donc on ne va pas baisser les bras, certainement. Une chose que je veux apporter à notre club JSK, donc elle est en pleine préparation en Tunisie, donc on leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Au contraire, nous on est là, c'est pour le club en général, c'est pour qu'il devienne encore meilleur. Donc notre initiative, c'est au contraire, elle va aider le club, elle va le pousser d'aller de l'avant, hein. Rien d'écouter ces anciens-là, vraiment, ils vont battre toutes les meilleures équipes du monde. Parce que ce qu'on cherche, nous, aujourd'hui, c'est que ces traditions-là de nos ancêtres, c'est les valeurs. Donc, c'est ça le grand JSK. Et nous, on fait toujours appel à nos anciens. Il ne faut pas oublier que la JSK, c'est elle qui vous a donné le nom, c'est elle qui vous a donné beaucoup de bien. Donc, rendez-lui le peu, hein, par votre présence, par vos idées, par vos soutiens. Donc, j'espère que la prochaine fois, le prochain rendez-vous, vous serez nombreux. Et on va avancer avec de belles choses, Inch'Allah, pour notre club. Je vous remercie. Et malheureusement, on va fêter le 76e anniversaire avec une larme, parce qu'une larme, la JSK, elle va mal. Vraiment, elle va mal. Donc, on va fêter aujourd'hui le 76e anniversaire avec, quelque part, une tristesse et une larme. Voilà, et pour clôturer cette rencontre, on donne la parole à Monsieur Hossein Belaïd. Juste une parole de la fin pour clôturer. Juste deux mots. On est là beaucoup plus pour souhaiter à notre cher club une bonne préparation d'abord et beaucoup de succès et de réussite, Inch'Allah. Madame Bina, notre cher club se retrouve parmi les meilleurs et pourquoi pas remporter un championnat et remporter une Coupe d'Afrique. Ça nous fera du bon au cœur. Waatek msaha barakallah. Barakallah. Merci Malek. Oui. Inch'Allah. Pour revenir aux valeurs.
Bon, on tient à remercier Lies, le chef, le responsable de l'hôtel qui nous a facilité la tâche de nous réunir ici, la famille de la GSK. On le remercie, il nous a vraiment offert toutes les commodités. Grand merci à lui et bonne chance et beaucoup de réussite pour cet établissement. Merci, tellement. Je tiens à remercier le responsable de l'hôtel pour nous avoir permis de nous réunir et sincèrement, il nous a mis dans de bonnes conditions. Merci bien. Bon voilà, c'est la fin de... C'est la fin, voilà, on a fêté la 9e du club. Je crois que c'est une rencontre quand même qui est réussie, Tindjah. Parce que quand même, ça nous a donné une petite idée. Je crois que la prochaine, Inch'Allah, ça va être mieux. Je lance un appel à tous les anciens joueurs, les plus des Chinois, ceux qui si veulent bien de la JSK. L'Azmet de refaire le club ici. Et bien, dernier joyeux anniversaire à notre cher club. J'espère que l'espoir, Inch'Allah, parce que c'est une tradition que les enfants du club, de toute génération, ils vont fêter le 2 août, Inch'Allah, Koules Gouès. Inch'Allah, Koules Gouès avec des titres. Inch'Allah, Koules Gouès. La GSK Tsaïch, la GSK Glalali, Inch'Allah. Merci et je remercie infiniment le patron de l'établissement, l'hôtel Terzou, l'IS. Dernière, Nifkallah Salih, Réaoun, pour organiser cette belle fête d'anniversaire. Voilà, fin de nous je vais lancer un appel à tous les supporters de la JSK d'être derrière leur club. Parce que c'est un club qui n'est pas ordinaire, c'est un club identitaire. C'est un RF de la Proïna. Fin de au plaisir, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, d'autres retrouvailles, Inch'Allah. Voilà, fin de Субтитры сделал DimaTorzok